La prononciation du latin. Pour prononcer le latin, vous devez être capable de connaître l'alphabet latin, connaître les règles de prononciation propres au latin, enfin connaître les différences de prononciation avec le français. L'alphabet latin. L'alphabet latin vient de l'alphabet grec, qui vient lui-même de l'alphabet phénicien. À l'époque de César, Cicéron et du latin classique au 1er siècle avant Jésus-Christ, il comporte 21 signes sans accent. 5 voyelles A, E, I, O, U et 16 consonnes B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T et X. À partir de l'empereur Auguste, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, on ajouta les lettres Y et Z pour écrire les mots étrangers, notamment les mots grecs. Le latin ne connaissait pas les sons correspondant à notre J et à notre V. La lettre I notait ce que nous distinguons par I et J. Lettre V notait ce que nous distinguons par U et V. Depuis le 16e siècle, pour faciliter la lecture, le I consonne est noté J comme dans Jupiter. Le U consonne est noté V comme dans Venus. Les règles de prononciation. La prononciation du latin obéit à deux règles simples. Chaque lettre se prononce sauf le H. Il n'y a donc pas de lettre muette en latin. Une même lettre se prononce toujours de la même façon. À un signe correspond donc un son et un seul. Les différences avec la prononciation du français. La prononciation du latin présente seulement 11 différences avec celle du français. Les voici. Le C se prononce que comme dans canard et jamais ce comme dans cerf. Exemple, canis, le chien. Le E se prononce E ou E comme dans épervier ou mouette. Il n'est jamais muet comme dans poule. Exemple, écouousse, le cheval, kérousse, le cerf. Le G se prononce G comme dans gorille, jamais je comme dans singe. Exemple, galousse, le coq. Le J se prononce ye comme dans yak, jamais je comme dans jaguar. Exemple, yam, déjà. Le M se prononce me comme dans mulot, jamais nasalisé comme dans emporter. Exemple, columba, la colombe. Le N se prononce ne comme dans canari, jamais nasalisé comme dans éléphant. Exemple, anas, le canard. QU se prononce que comme dans équateur, jamais que comme dans ornithorynque. Exemple, aquila, l'aigle. S se prononce se comme dans serpent, jamais ze comme dans oiseau. Exemple, mousse, la souris. U se prononce ou comme dans ours, jamais u comme dans perruche. Exemple, oursus, l'ours. V se prononce ou, comme dans ouistiti, jamais V comme dans vipère. Exemple, awis, l'oiseau. Enfin, Y se prononce U, comme dans buse, jamais I comme dans mystère. Exemple, aurux, la gazelle. Entraînons-nous maintenant à prononcer le latin avec des noms d'animaux. Aquila. Anas. Bos. Buffo, camelus, canis, draco, elephantus, equus, feles, formica, gallus, gavia. Aedus, Hircus, Ibis, Iugum, Leo, Lupus, Mula, Mus, Nanus, Nepa. Ostrea, Ovis.
Pao. Piscis. Quadrupedes. Rhinoceros. Simia. Talpa. Taurus. Testudo. Unicornis. Waka. Huitulus. Xiphias. Oryx. Zinzala.